Ici, je vais vous présenter le Galvanic Spa de Nuskin. Cet appareil assez exceptionnel, en fait, tient vraiment son succès du fait que le soin galvanique qui est connu depuis les années 50 au niveau de la restimulation des cellules au niveau du corps, est particulièrement effectif quand c'est utilisé au niveau du visage, est efficace pour autant qu'on l'utilise deux fois par semaine. Ce qui veut dire que pour avoir vraiment un soin galvanique qui est même souvent donné par des esthéticiennes, vous avez un effet ponctuel mais qui ne dure jamais. Et c'est ça que la seule manière d'avoir ça, c'est finalement d'acquérir l'appareil et de le faire deux fois par semaine chez vous, parce que peu de femmes ont les moyens d'aller deux fois par semaine chez l'esthéticienne pendant des mois, voire ad vitam. Et donc ça, c'est l'avantage. C'est vrai que c'est un investissement, mais cet appareil est inusable quelque part. Il y a juste à changer des piles. Avec des piles, vous avez presque un mois. Ce sont deux petites piles triple A, donc qui ne sont pas chères. Et en plus, vous pouvez même le connecter avec des piles rechargeables. Un conseil, utilisez quand même des piles bien chargées ou neuves, parce que l'appareil est beaucoup plus efficace à ce moment-là, parce que les courants de traitement au niveau du visage peuvent être un petit peu plus importants. Même si l'appareil continue à fonctionner et être efficace avec des piles qui vont à la fin. Au moment où les piles sont trop faibles, de toute façon, l'appareil vous prévient, vous changez. Alors, l'appareil est vendu avec une petite pochette de voyage, il est ultra léger, il permet ça, et quatre électrodes. La première électrode, qui est l'électrode principale au niveau du visage, qui s'applique assez facilement et qui peut être retirée simplement en poussant derrière et en chef d'électrode. Vous avez une autre électrode extrêmement intéressante également pour le visage, qui a une surface beaucoup plus fine et qui permet vraiment de traiter les rides beaucoup plus importantes, comme je vous montrerai tout à l'heure. Une autre électrode très intéressante, c'est une électrode spécialisée pour les soins dans les cheveux. Donc, qui permet de revitaliser, redynamiser les cheveux et vraiment restimuler tout le cuir chevelu. Et puis, la dernière électrode, c'est l'électrode utilisée pour le corps et qui, elle, en fait, est utilisée partout pour le reste du corps. Alors, Nuskin possède deux produits, deux appareils de traitement de soins galvaniques, le visage et le corps. Celui qui est utilisé pour le corps, le voici, c'est le Galvanic Spa Body, qui est en fait plus ou moins la même technologie. Cet appareil a une autre forme et un petit peu plus puissant et ne contient que deux programmes et qui ne peuvent être utilisés que pour le corps. Donc c'est un appareil à ne pas utiliser ni sur le visage ni sur la poitrine, normalement. Alors, je vous parlerai de celui-là un petit peu plus tard. Ici, au niveau du traitement visage, nous allons voir essentiellement, donc avec les différents traitements, le produit de référence à utiliser pour le visage est le Galvanic Facial Gel, ce qui sont des ensembles de cartouches où vous avez les bleues et les blanches. Donc chaque traitement se fait avec deux cartouches. Vous commencez par la cartouche transparente et vous continuez par la cartouche bleue pour le deuxième traitement. Je vous expliquerai ça juste après. Donc ça, c'est pour le soin visage. Pour faire le traitement des rides profondes, donc avec la deuxième électrode, ce qui est le produit à utiliser est le True Face Line Corrector, qui est un produit spécial, mais que vous n'utilisez que sur les rides principales. Pour le traitement des cheveux, c'est l'ensemble des produits Nutriol, où vous avez un shampoing Nutriol qui est considéré, et puis vous avez des petites fioles à utiliser lors de chaque traitement avec cette électrode. Là. Et là, normalement, pour avoir un traitement efficace, il faut faire ça pendant 2 mois minimum, en faisant ça 3 fois par semaine. Dans une boîte, vous avez 10 fioles, donc vous avez 10 traitements. Si vous utilisez le Galvanic Facial Gel, normalement, avec une boîte, vous en avez plus ou moins assez pour un traitement d'un mois, sachant que avec 2 fioles, vous pouvez faire 2 traitements, et ce qui est recommandé, c'est de faire 2 traitements par semaine. Éventuellement, la toute première semaine, vous pouvez faire 3 traitements, mais ça ne sert à rien de faire un traitement tous les jours, en tout cas au début. 2 fois par semaine, ça suffit. Et donc, comme vous avez 8 cartouches, ben, en réalité, vous en avez pour 4 semaines avec une boîte. Voilà. Alors, au niveau du traitement, il y a ce produit-là, qui est le Body Shaping Gel, qui est un gel assez magique, donc qui lui est utilisé, comme son nom le dit, sur le corps uniquement, qui est un gel transparent, donc c'est celui qui s'utilise avec l'électrode du corps sur cet appareil-ci, ou avec l'appareil pour le corps, c'est le produit à utiliser. Ce produit a un avantage énorme. En réalité, ce gel est relativement neutre et sert essentiellement à hydrater la peau, et si vous utilisez par exemple n'importe quel autre produit que des produits Nuskin, en réalité le Galvanic Spa est un appareil qui vous permet vraiment de propulser à l'intérieur du corps
des produits. Alors c'est évident que je vous conseille vraiment de faire attention au produit parce que le produit va pénétrer très fortement dans vos cellules. Donc il vaut mieux avoir des produits très naturels et qui ont le minimum de composants toxiques à l'intérieur. Mais cela peut être très intéressant, y compris pour des médicaments, par exemple des personnes qui ont fait des tendinites, des inflammations, etc., qui vont utiliser l'anti-inflammatoire qui va être proposé par le médecin ou le kiné. En réalité, une chose qui est extraordinaire, c'est que vous prenez la crème que le médecin ou le kiné ou la crème que vous choisissez à utiliser et vous la mélangez légèrement avec ce Body Shaping Gel qui est un gel qu'on voyait un petit peu transparent. Et ça va donner des propriétés électriques qui vont faire que l'appareil, grâce à l'électrode, va pouvoir propulser le produit dans le corps tout en l'hydratant. Donc, ce qui va augmenter largement les effets du produit, que ce soit l'anti-inflammatoire ou autre élément. Un dernier élément qui est important, c'est un produit qui s'appelle le NAPCA, NAPCA, qui est en fait de l'eau qui contient essentiellement un peu d'acide hyaluronique, donc qui est un élément essentiel au niveau de la peau et de l'hydratation. Et ce gel, ce produit qui existe et en crème et en spray, avec le galvanique, je vous conseille de l'acheter en spray, donc c'est le NAPCA Moisture Mist. Et ce produit, en fait, il a deux fonctions. Premièrement, il permet d'hydrater et de consommer moins de vos gels. Et en plus, il a une caractéristique importante, parce que le galvanique est un appareil qui a besoin du contact, parce qu'en réalité, vous avez deux électrodes. Vous avez une électrode ici sur le dos de l'appareil et une électrode sur la face. C'est-à-dire que quand vous prenez l'appareil en main, le courant passe de là dans votre corps, et c'est quand vous allez... Alors, je vais mettre le micro au visage, ce sera mieux... Quand vous allez le mettre contre votre visage, en fait, le circuit se fait et le travail se fait ici, parce que l'électricité coupe là, et c'est à ce niveau-là que ça agit avec les produits que vous aurez associés. Alors, le pourquoi, deux fois un traitement par semaine. En réalité, plus on vieillit avec l'âge, plus il y a toute une série de réactions enzymatiques qui empêchent à notre peau de régénérer par elle-même du collagène. En même temps, il y a tous les phénomènes de déshydratation. Et c'est en fait l'impact essentiel de ces Galvanic Spa Facial Gels. En fait, ces gels vont vraiment permettre, le premier gel lui-même va pousser le produit à l'intérieur et commencer à avoir un effet vraiment d'hydratation au niveau de la peau. Et ça, c'est quelque chose à utiliser sur le programme 1. Donc simplement, pour changer de programme, vous poussez sur le bouton 1, 2, 3, 4, 5, et puis après, c'est 1. Donc, le premier traitement avec la capsule transparente, c'est le programme 1. Ici, l'appareil automatiquement fait ça sur un traitement de 2 minutes et quand vous mettez le contact, vous allez voir qu'il va faire chaque fois un bip et ce qui veut dire que c'est bon. Si l'appareil flash, ça veut dire qu'il n'y a pas de contact, donc il n'y a pas d'effet, qu'il n'y a pas de traitement. Donc soit il y a un mauvais contact électrique, soit les batteries sont trop faibles, mais à ce moment-là, l'appareil vous le dira. Si c'est les batteries qui sont trop faibles, en général, c'est simplement un mauvais contact. Quelque chose qui est important, c'est que si vous le faites à vous-même, c'est très facile. Alors, la procédure de base, c'est que vous prenez un petit peu de spray de NAPCA, vous en mettez sur la main qui va tenir l'appareil, que ce soit la main droite ou la main gauche, de manière à ce qu'elle soit légèrement émise, de manière à garantir un contact électrique avec l'électrode. Sur l'autre électrode, vous allez déposer le gel, le premier gel, enfin, moi je la mets dans l'électrode, il y a des personnes qui la mettent directement sur le visage et puis qui le prêtent là-bas, donc ça c'est juste une question de facilité, et vous le mettez sur le programme numéro 1. Et maintenant, je vais vous montrer l'utilisation à ce niveau-là. Et en effet, la petite règle à faire, si vous appliquez le traitement sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire si vous ne le faites pas sur vous-même, parce que dans ce cas-là, il faut garantir la boucle électrique. Donc si vous faites ça à quelqu'un d'autre, il ne faut pas le faire et le faire sur son visage. Vous devez le prendre, vous devez remettre du NAPCA sur votre autre main, toucher la personne, de manière à ce que le courant passe à travers, et revienne sur son visage, et en fait, comme ça, le fil est là. Donc en fait, vous devenez un fil électrique, et la personne continue, et son point d'application est l'endroit où se trouve l'électrode de traitement. Si vous ne faites pas ça, vous verrez, l'appareil va flasher en disant « il n'y a pas de problème », et vous pouvez très bien vérifier que le contact est bon à partir du moment où l'appareil fait un bip régulier. Donc maintenant, je vais vous montrer comment appliquer ce système.